Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui sur Sharkbeat. C'est le jeu du coup que je voulais faire en premier. C'est grâce à lui que j'ai découvert Roblox. C'est le premier jeu que j'ai joué avec Tiki. Du coup, voilà, je pensais que ce serait cool pour faire, pour commencer les vidéos gaming. Du coup, les jeux, c'est simple. Lorsqu'on est survivant, on doit survivre au requin pendant plein de secondes. Et lorsqu'on est requin, on doit tuer tous les survivants. Alors, pour tuer le requin, on peut avoir du coup des bateaux. Voilà, il y en a plein. Quand vous n'êtes jamais allé sur le jeu, il y a ces quatre-là, le bateau de pêche, le voilier, le bateau de canard et le patrouilleur. Et je crois que maintenant aussi ils ont mis... il est parti. Ok, donc voilà, ça c'est les quatre que vous avez de gratuits. Moi, j'ai déjà acheté des bateaux et je vous conseille de prendre celui-là, l'aéroglisseur ou le spectre. C'est le spectre qui est plus rapide, mais vous voyez, en fait, on est dans une vitrine. Du coup, pour tirer sur le requin, ça ne va pas. Du coup, moi, je vous conseille l'aéroglisseur, ouais, qui est plutôt pratique. Puis moi, ça me fait marrer, on dirait, vous savez, les bandes noires, là, comme les auto-tamponneuses. Les armes, du coup, vous avez tous ces types d'armes-là. Quand vous venez pour la première fois, vous avez le fusil. Moi, ce que je vous conseille comme arme, c'est de prendre le lance-roquette. Il est pas très cher, puis c'est celui qui est le plus efficace pour moi. On peut voir déjà rien que niveau dégâts et tout. Et on dit que le pistolet laser aussi, il fait plus de dégâts. Mais perso, moi, je l'ai acheté et je suis déçu. Voilà, donc je prends toujours le lance-roquette. Vous avez aussi différents requins, parce qu'on peut être le requin sur ce jeu. Donc moi, je vous conseille de prendre celui-là. C'est le plus rapide, voilà. Les autres, ils sont plus grands, ils ont plus de santé. Et pour moi, le plus important, c'est vraiment la rapidité. Du coup, moi, je vous conseille de prendre le requin marteau. Un petit truc que j'oublie souvent quand j'arrive dans les parties que je vous conseille de faire, c'est de, quand vous arrivez dans une partie, sélectionnez tout de suite votre arme et votre requin. Sinon, vous jouerez sans, et c'est dommage de payer pour rien. Du coup, là, il reste encore 5 secondes. Après, il y aura une petite intermission. Et ensuite, on pourra commencer à jouer. Bon, du coup, pour cette première partie, apparemment, c'est moi le requin. Comme ça, du coup, je vais pouvoir vous montrer un peu comment on joue. Donc, moi, j'ai pris le requin marteau. Là, comme vous voyez, on vous explique un peu comment ça fonctionne quand on est le requin. Vous voyez là en bas à gauche, il y a les chances d'être requin, mais voilà, ça sert totalement à rien parce que moi je viens d'arriver sur le jeu. J'avais donc 3% de chances d'être le requin, puis c'est moi quand même. Voilà, donc cette chance d'être le requin, ça ne sert un peu à rien. Et le pire, c'est qu'on peut payer pour avoir le plus de pourcentage de chances d'être le requin, quoi. Donc, vous voyez, tout le monde est parti sur leur bateau, pas moi parce que moi je suis en requin. Et c'est parti. Vous voyez là, hop, mon petit requin. Du coup, pour requin, on se déplace avec la souris, tout simplement. On va vers le curseur blanc. Vous voyez là, les petites bulles qui sont là-bas, ça veut dire qu'il y a un bateau et qu'il faut le manger. Hop. Vous voyez là, la prise de 5 dents qui sont apparues, ça veut dire que j'ai mangé la personne, en fait. Oui, parce que les armes et les bateaux que je vous ai pas dit, là, on les achète avec des dents de requin. Alors, quand on est requin, on a 5 dents à chaque mort. À chaque fois qu'on a miam miam quelqu'un. Et quand on est survivant, on a 20 dents si on arrive à survivre. Voilà, donc tout bête. Moi, je trouve que quand on arrive à être le requin, c'est plus rentable quand on est le requin. Vous voyez là, j'ai une petite barre de boost en bas. Ce qu'il suffit de faire, c'est d'appuyer sur espace, hop, pour naviguer, enfin, pour nager plus vite. Voilà, là j'ai mangé quelqu'un. J'aimerais bien qu'on voie, est-ce qu'il n'y a pas des petites barres rouges? Ah, vous voyez là-bas, il y a des petits traits rouges, là, ça veut dire qu'il y a un joint à l'eau. Et que du coup, bah, on va aller s'apprêter de manger. On va manger. Ce qui est pratique aussi quand on regarde, c'est qu'on passe sous l'île, là. Donc voilà, c'est beaucoup plus rapide. Hop, un petit boost. Elle est montée sur le bateau. Ah voilà, là, il y a des petits joints. J'en ai vu 3. Il est où le bateau que je viens de détruire? C'est bon, il n'y a plus personne vraiment.
qu'il y a des petits malins aussi qui se mettent sur les épaves du bateau. Du coup, faut toujours bien vérifier quand on a le temps. Bon, moi je vois rien d'autre. Ah si, là, ah non. Bon, bah je m'en vais vers d'autres bateaux. Allons-y! Donc moi, comme mon PC n'est pas très puissant, je vois pas tout le décor. Voilà, il apparaît seulement quand je suis assez près. Donc bon, un peu dommage, mais tant pis, hein, c'est pas grave. Tiens, là-bas, il y a des bulles. Là-bas, il y a des bulles. Il y a un bateau. Allons voir le bateau. Oh, il y en a deux, il y en a un plus proche par là. Hop! Tu penses pouvoir m'échapper? Ah! Voilà, là, j'ai eu plus 5 dents, donc je l'ai mangé. Je l'ai mangé tout cru. Du coup, l'autre bateau, du coup, je sais pas par où il est passé. Ah, il est là-bas. J'ai plus de boost. Très bien. Bon, on va nager tranquille. Ah, je le vois. Vous le voyez? Il est là-bas, là. J'arrive. Très bien. Coucou. Tu ne m'échapperas pas. Hop. Du coup, le bateau, il est cassé, mais. Mais je n'ai pas mangé la personne. Il est où? Il est en bas? Non. Bon, ce qui est embêtant avec les requins rapides comme ça, c'est que tu n'arrives pas à voir où est le petit Jean. Ah, il est là, il est là. Voilà. Ah bah vous voyez, là j'ai tué tout le monde, donc j'ai gagné. Voilà, Shark Win. Une petite victoire pour première partie, ça va, ça commence bien. Bon bah comme vous voyez, je vous l'ai dit, ça sert à rien. Je suis une nouvelle fois le requin. Voilà, je sais pas ce que je vais là avec moi, j'espère que je vais pas être requin toute la vidéo. Vous voyez, chance d'être le requin, j'avais été encore à 3%. Donc bon, ça sert un peu à rien. Surtout ne payez pas pour avoir plus de chances d'être le requin, ça ne sert à rien. Oh, il y a quelqu'un qui est arrivé trop tard. Hey, je suis requin. C'est moi requin. C'est moi requin. Tu veux pas de mon ami? Oh, trop tard. Bon, on est reparti à la chasse. Là, il y a un bateau. Il y a quelqu'un qui vient de plonger. Et le bateau il tourne encore, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dedans. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et voilà! Mission accomplie, j'ai été manger tout le monde. Non, j'espère que cette fois j'aurai l'occasion de vous montrer quand on est survivant. Du coup, quand on est survivant, ça se présente comme ça. Là, vous voyez, là, vous avez 2, 3, les 4 bateaux gratuits, pardon. Quand vous n'avez aucun bateau, moi je vous conseille de prendre le canard. C'est le plus rapide des 4. Moi, je vais prendre voilà, le bateau autotamponneuse, l'aéroglisseur. Et du coup, vous pouvez inviter ou rejoindre ceux qui vous invitent. Voilà. Donc, vous pouvez vous faire des petites games entre amis. C'est plutôt sympa. Voilà, là, je suis sur mon bateau. J'ai mon arme. On va pouvoir aller chasser le requin. Du coup, pour contrôler le bateau, c'est simple, c'est SQSD. Là, on est là la nuit, donc je vais pouvoir vous montrer. Quand on appuie sur L, ça fait de la lumière, voilà. Ça ne sert absolument à rien, ou alors je n'en connais pas l'utilité, mais voilà, on peut appuyer sur L. Là, vous voyez, là, il y a le requin. Je sais pas s'il bug un peu, je sais pas ce qu'il fait. Oui, il bug, je crois. Donc, pas grave, on va le tuer comme ça. Voilà, recharger. Et là, le requin vient de partir, donc je vais m'en vais. Hop, je ne sais pas du tout où il est. Voilà, il est là-bas. Ah, je crois juste qu'il a du mal en fait à contrôler les requins, c'est pas forcément un bug. J'avoue que je tuais pas tout le monde non plus en période tactile, ça c'est clair. Mais ça va, il se sort bien. Oh, il y a un nouveau venu, salut. Par contre, il arrive pas de bouger, c'est assez énervant, je dois pas le toucher. Ah, je m'en vais.
Normalement, il y a des petits cerfs qui apparaissent quand il y a le requin. Oh. Ou alors, il y a la musique, je sais pas si vous entendez. La musique est un peu plus tendue quand le requin apparaît. Et bah voilà, là, il a été apparu. Ah, j'ai entendu où ? Bon bah, je suis un peu dans le caca, mais c'est pas grave, on va continuer. Alors, la musique se calme, il s'éloigne. Bonjour. Je vais me mettre de ce côté-là, voilà. Merci. Thanks. Hop. C'est nickel, ouais, j'ai gagné 20 ans de requins. Et on est reparti. Alors, mon petit bateau. Ce shark has been released. Bon, mon accent anglais, il est un peu pourri, hein, donc... Sur ça, c'est bien, il commence un peu à devenir français. Là, on voit santé du requin et tout, c'est cool. Donc vous voyez là-bas il y avait un petit cercle, donc on va y aller de suite. Allez, presque. Oui. Ah bah le mec il est posé, ça va ma Titi 2012. Hein. Oh je peux te. Ah oui, je peux le pousser. Souvent j'ai arrêté à le pousser quand même. Alors là, ce que je vais faire, je vais essayer de mourir. Voilà, je vais foncer sur le requin pour essayer de mourir. Pour essayer du coup de vous montrer un peu la map. Non, requin, où es-tu? Je vais aller hop. Vous voyez là-bas, il y a le petit cercle. C'est parti. Non, non, reste au fond. T'es bien haut. Au fond, hop. Balade sous-marine. Oh bah là je vais bientôt mourir. De toute façon la petite bulle là en fait c'était l'oxygène et je vais plus avoir d'oxygène. Du coup je vais mourir. Du coup la map. Donc là en fait on se situe dans un phare et donc je vais vous montrer depuis tout en haut. Hop. Ouais, donc on monte par le pied avec ces petites plateformes et je trouve ça super beau. Hop, voilà. Du coup, le phare, voilà, là on est tout en haut. Bon, avec moi, vous verrez pas la map en complet, mais voilà en gros. Et je viens de tomber. Du coup, maintenant que vous avez vu cette très courte partie de la map d'en haut, on va aller voir le bas, la petite île et tout. J'aimerais bien vous montrer un petit truc qui peut être drôle, faut juste que je retrouve un bras. Du coup voilà, là on a une belle map enneigée. Donc la map, comme beaucoup de jeux Roblox, ça va changer selon les saisons. Du coup moi je vais essayer de vous trouver le petit endroit qui est très drôle. Est-ce que c'est ici? Non. Ah, si, voilà, c'est ici. Donc, vous voyez là, on peut faire genre au requin qu'on est dans l'eau. Et le requin en fait, il voit les petites traces rouges. Ah, comme vous avez vu, il y a des petites traces rouges quand les bonhommes sont dans l'eau, et bah là, il les voit aussi. Du coup, on peut embêter les requins, voilà. Quand ils savent jouer et qu'ils savent que les trucs rouges, c'est pour manger, voilà, ils viennent nous embêter et nous, on rigole beaucoup. Du coup, on continue la petite visite, voilà, il y a des nuages partout, là, c'est le dessus. Ah, bah voilà, le requin, il a été tué. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, on va s'arrêter là. Et du coup, avant qu'on se quitte, je vous laisse du coup l'image du jour. À quoi vous fait penser cette image? Je vous fais de gros gros bisous. À plus.